Alors, je fais cette vidéo devant le miroir car j'ai perdu 40 kilos sur, on va dire, plusieurs mois, on va dire. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Enfin bon, après, je suis pas. C'est très bizarre, hein, mais je me plaignais tout le temps de mes courbes, tout le temps, d'avoir des fesses, d'avoir du ventre. D'avoir des gros bras, je sais pas, je me plaignais constamment, constamment, constamment. Et en fait, en revoyant des photos de moi, je sais pas, sur l'ordi de ma mère, où en fait, finalement, mes formes étaient pas si moches. Maintenant que je suis mince, enfin, je sais pas si on peut appeler ça mince, mais donc voilà, j'ai beaucoup perdu quand même. Je ne me reconnais plus, je ne sais plus à quoi je ressens quand je me regarde dans le miroir. Alors, j'essaye de, comment dire, de me regarder, de me dire, voilà, c'est le nouveau moi. Donc, le nouveau moi, c'est ça, c'est ça, voilà, je ressemble à ça. Mais c'est très difficile de faire effet yo-yo beaucoup, enfin, dans sa vie. J'ai été comme ça aussi à 5 ans. Même encore moins, je crois, ou je sais pas. Non, je crois que là, je suis à mon plus bas poids. En sachant qu'on m'a dit que j'avais des os très lourds. Alors, ça m'a fait rire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, en vrai, je pèse moins, ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est juste pour dire qu'en 10 ans de médicaments psy, mon corps s'est plus qu'habitué et mon estomac doit être petit comme ça parce que je mange très très peu en quantité. Je mange, mais très très peu. Donc c'est juste pour vous donner un message d'espoir pour celles qui supportent pas leur forme, comme moi je les supportais pas parce qu'on veut traiter de grosses. Maintenant on me dit, waouh, ouais, t'as minci. Alors j'ai envie de dire, ouais, mais super, je mange rien, mais j'ai minci. Waouh, super. Donc voilà. Disons que. C'est très très dur hein, d'avoir des remarques comme t'es grosse et après ah t'es mince et enfin je sais pas et puis je trouve même pas si mince que ça, je trouve que j'ai des hanches, je trouve que j'ai des bras, enfin je trouve toujours quelque chose qui va pas. Alors moi je souffre pas d'anorexie ni de boulimie mais je souffre de troubles alimentaires et surtout de regard sur moi qui est négatif. Donc c'est juste un message d'espoir, c'est qu'on peut perdre les kilos parce qu'au bout de 10 ans de médoc, franchement, on nous l'a dit plein de fois, le corps s'habitue et on mincit naturellement. Mes cheveux ont poussé aussi, et ça peut vous sembler bête, mais en tant que fille qui a toujours les cheveux longs, ça me fait plaisir de les avoir longs à nouveau. Dès que je les coupe, même juste ici, je me sens comme un garçon. Bon, après, ça c'est personnel, hein, c'est vraiment personnel. J'aime bien avoir mes cheveux longs, voilà. Bon, même si quand je mange ma soupe, ça va dans la soupe. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est juste un message d'espoir pour les femmes qui, comme moi, qui ont pris beaucoup de poids avec à cause des médicaments psychiatriques et qu'on peut mincir. Voilà. Alors, je ne dis pas non plus que je suis ultra mince. Hein. J'ai comme des hanches, etc. Dans la famille, on a des hanches, voilà, hein, on peut rien y faire. Hein. Mais bon, c'est vrai que j'ai perdu mon ventre quand même, voilà. Bref, c'est pas pour faire une apologie de la minceur non plus, je déteste la maigreur aussi, j'aimerais pas devenir maigre non plus. Je suis contente quand même d'avoir perdu du poids, tu m'imagines comme ça, parce que justement, je déteste mes hanches, donc voilà, hein. Vous voyez à quel point je me déteste. Hein. J'ai même du mal à me regarder là dans le miroir, c'est terrible, terrible, terrible. Mais je travaille dessus et sans maquillage, je commence à m'habituer. Et puis voilà. Et puis il faut juste s'aimer. Alors pour s'aimer, ben comment faire? Peut-être faire des vidéos comme ça où on se voit parce qu'on se voit jamais au quotidien. Bon, moi j'ai pas de grand miroir. Par exemple là, on voit pas mes pieds. On voit pas, voilà. Enfin, bref. Donc voilà, message d'espoir. Je dois relever mon pantalon, il n'y a plus rien qui me va. J'ai gardé tous mes grands vêtements, tous les petits, je les ai vendus, donc je ne raconte pas le bordel. Hein. Rien ne me va, rien ne me va. Il faut que je refasse toute ma garde-robe, je crois. Parce que je pense que ça va rester comme ça, j'ai plus faim. Même quand j'ai faim, je mange un tout petit peu. Donc voilà, juste pour vous dire ce message positif, ben, j'espère, sur les médicaments psy qui font grossir. Ben, ils font aussi mincir, enfin dans le sens où au bout d'un moment, franchement j'en ai eu marre de manger, alors je mangeais moins. Moi je suis passée aussi par une période où je mangeais pas du tout, là j'étais pas bien, j'ai atterri à l'hôpital en famine, je sais que ça paraît bizarre,
Même quand on n'est pas maigre, on peut partir à l'hôpital en famille. Donc voilà, gros message d'espoir. Et puis je pense que voilà, on peut mincir largement avec le temps. Voilà, gros bisous, bye bye, bye bye. Je fais comme la reine.